Olivier nous présente également Mos d'argent dans cette épreuve qu'on a plus l'habitude de voir dans les deuxièmes épreuves. Tout à fait. Il avait déjà bien couru dans les quintés. Là, c'est un peu le hasard de la faiblesse d'Hilo, comme il y a la concurrence des courses gazon. Donc, ça s'est switché en deux les partants. Et il y a quelques-uns qui sont partis sur le quintet de Saint-Cloud. Le cheval, en tout cas, est bien. Il a été très malheureux à Cagnes. Il a subi les deux dernières fois des handicaps qui sont pourus sans rythme. Mm-hmm. Et c'est un cheval qui est comme Koshenko un attentiste. Et donc, il faut un peu de réussite. Et là, c'était pas le cas. Mm-hmm. Et la première fois, comme Koshenko, il avait couru sur le gazon. Et on sait que c'est des chevaux qui sont bien supérieurs sur le sable. Mm-hmm. En tout cas, l'entraînement est très bien. Je pense que c'est amusant de profiter d'un petit poids dans un café. Mmh. Ça arrive pas souvent et on peut noter que le haut du tableau est de valeur. Et après, à partir du milieu du tableau, ça semble quand même assez... ça correspond plus à une deuxième épreuve. Donc voilà, la course est suffisamment sélective, mmh. il est capable d'être à l'arrivée comme Koshenko. Je pense que les deux ont un peu le même profil. En sélectif, je pense qu'ils peuvent être les deux à l'arrivée. En tout cas, à l'entraînement, ils sont très bien.